allez profiter d'une magnifique journée, Jane. Oui, monsieur. Quand êtes-vous devenue romancière, mademoiselle Jane Fairchild? À trois occasions. Le jour de ma naissance. Le jour où monsieur Paxton m'a donné une machine à écrire. Et la troisième? C'est un secret. Maison Beechwood, bonjour. Jane, c'est toi? 11h. Ça fait tout drôle de te voir ici. Il étudie, je crois. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Il n'étudie pas, il est en retard. Ne soyez pas trop en colère contre lui, Emma. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa? J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Et même, il me l'écrit. Il est dans ta classe? Non. Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été. Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Quand tu dis neutralisée, tu veux dire poursuivie jusqu'à l'oubli ou... Neutralisée ou mort. Super, on devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur, ce genre de choses. Roderick Usher. Votre famille est composée de cœurs atrophiés. Le moment est venu. Qui êtes-vous? Des conséquences. Et ce soir, c'est toi qui entraîne des conséquences. Ils se sont retrouvés avec les pires terres au monde. Et ils ont été plus malins que tout le monde. C'était des champs pétrolifères. L'or noir. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. J'adore l'argent, monsieur. Cette manne coule dans la bonne direction. Leur heure est venue. Tout ça ne sera plus qu'une simple tragédie. Quand l'argent s'est mis à pleuvoir, on aurait dû savoir qu'il avait un prix aussi. あれは事故なんかじゃない。被害者はこの部屋の住人ベルナルド・ランケ42歳人間です。まさか2つの事件の犯人が同一人物だというのか。犯人は私が探します。モンブランのような頑丈なロボットをバラバラにすることなど人間には不可能です。ロボットは人を殺さない。
我々が、そう作ったからだ。俺たちは進化してると思わないか。君を見ていると人間かロボットか識別システムが誤作動を起こしそうになる。人間とロボットは近づきつつある。断ち切らなくてはならない。この犯人はまたやる。あの方は心から願ってらっしゃいました。ロボットと人間の共存を。